Avant de commencer, mesdames et messieurs, à vous raconter toutes sortes de conneries, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire que c'était cool ce que j'avais fait avec Shift Heroes et tout, et qui m'encourageaient à faire d'autres projets et tout. Enfin, les messages privés, c'était très, très, très gentil. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de... Attendez, j'enlève ce pull. On se met à l'aise, les gars. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce bouquin, mesdames et messieurs, La semaine de 4 heures. Donc, c'est un des bouquins que j'ai lu, le premier que j'ai lu en commençant ce projet. Et c'était un bouquin, mesdames et messieurs, comme j'en ai rarement lu. Oui, 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 je dis oui, mesdames et messieurs, je dis oui. C'est un bouquin, en fait... Le mec qui a écrit ce bouquin, Timothy Ferris, c'est un gars, les gars, qui n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, un mec comme ça qui n'a pas le temps, tu vois. Il est en mode, ouais, bon, voilà, ça m'a pris, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Mais si j'avais su plutôt qu'il fallait faire comme ça, voilà, j'aurais gagné 3 millions d'euros. Ouais, écoute, je suis passé à côté de 3 milliards d'euros, mais bon, au moins, j'ai pu faire 300 000 et on peut dire que c'était quand même plutôt pas mal. Le mec, il est comme ça, frère. Il est comme ça, je te jure, il est comme ça. En fait, quand il parle dans le livre, t'as l'impression qu'il vit pas sur la même planète que toi, en fait. C'est un truc de ouf. C'est l'impression que t'as au début, et au fur et à mesure du livre, il te montre que, en fait, c'est juste toi qui décide, tout simplement, de pas être sur la même planète que lui, en fait. C'est toi qui choisis de rendre ta vie compliquée, c'est toi qui choisis de galérer avec des conneries. Pôle emploi, non, les conneries. C'est toi qui choisis de galérer, à travailler au McDo, travailler au KFC, c'est toi qui choisis, mon pote. Yes, you are. Je parle à toi, Harry du passé, qui a travaillé au McDo. Oui, oui, c'est toi, mon pote. Tu l'as choisi. C'est vrai que quelque part, avec le recul, je vous cache pas que dans tous les petits tafs que je pouvais faire, tu vois, le McDo, je me suis dit putain, trop bien et tout, je vais manger McDo gratuit et tout. Pareil pour le KFC, quand je suis parti au KFC, c'était dans la même démarche. Je me suis dit, KFC, je pourrais manger KFC gratuit. Voilà comment on est influencés, nous autres les jeunes, vous vous rendez compte un peu. Tout ça pour dire que tout ça, ce livre, en fait, t'explique comment, franchement, en fait, moi je trouve ça incroyable en fait. Petit à petit, il vous emmène dans son monde et dans cette idée en fait que tout est possible. C'est un truc de ouf. Au bout de... Je veux dire, au bout de... J'ai lu combien de pages moi? Franchement, au bout de la 100e page, vous êtes en train de vous dire « Wesh, mais tout est possible en fait. Mais pourquoi est-ce que je me fais chier depuis le... Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me fais chier alors que tout est possible? C'était marqué dans ce livre depuis le début! » Merde, je te jure, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, donc c'était ma critique du livre, mesdames et messieurs. Deux secondes, une petite pause, parce que j'ai oublié de dire quelque chose de super important. Dans ce bouquin, concrètement, il te montre comment est-ce que tu peux créer un business. Il te le montre concrètement avec des mots extrêmement clairs. Il te parle d'outils que tu peux utiliser. Il te donne des exemples super simples qui ont l'air à la portée de n'importe quel handicapé, frère. Je te jure, je te jure. Et quand je parle d'handicapés, je parle de participants de Secret Story, frère. Ah, je te jure, frère. Là, j'emploie les grands moyens. Désolé s'il y a un mec de Secret Story qui regarde cette vidéo. J'ai rien contre toi, mon pote. C'est juste que c'est marrant de se foutre de votre gueule, quoi. Ouais, donc il te montre concrètement comment est-ce que tu peux faire des business. Et c'est ça, en fait, la vraie valeur du bouquin. C'est qu'il t'explique concrètement comment faire des business qui te prennent le moins de temps possible et qui te rapportent le plus possible. Et vraiment, c'est super, super bien expliqué. Ça rend les choses super concrètes. Et d'un coup, tu es dans le truc, en fait. D'un coup, tu es dedans. Si tu n'y étais pas, tu es dedans. Oh, je te jure, mon pote. Voilà, donc c'est pour moi la vraie valeur du bouquin. Allez, on retourne au visionnage. Non, 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 attends. On retourne pas au visionnage. Le délire, c'est que, j'ai oublié de dire un autre truc encore, le but à la base du bouquin, en fait, c'est de te permettre de réaliser tes rêves. Et donc, pour ça, il part de l'idée que tu dois mettre ton taf au service de ta vie. Et voilà, il t'explique comment le faire de la meilleure des manières possibles. Voilà, c'était quelque chose que j'avais oublié. Désolé pour la petite inception, du coup, là, c'est une vidéo dans une vidéo qui est dans une vidéo. Désolé pour ça. Et c'est très marrant au montage, d'ailleurs, hein. Allez, je vous laisse à la suite, salut. Donc, clairement, si vous êtes un peu comme moi, que vous avez envie d'avoir un point de vue un peu différent sur tout ce qui est entrepreneuriat, je sais pas, franchement, c'est un point de vue cool. Je vous jure, c'est extrêmement cool. Vous lisez ça, vous dites, c'est bon, la vie.
La vie, une bouchée, mon pote. Une bouchée de la vie. J'en fais une bouchée, moi. Je la baise, la vie. Je te jure, c'est incroyable. Donc voilà, mesdames et messieurs, la semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Oui, c'est ce qui est écrit sur la couverture et c'est pas faux. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Peut-être même vous mettre un lien pour aller l'acheter dans la description. Voilà, si vous avez envie de l'acheter. Voilà. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je ne vous retiens pas plus. En ce moment, on fait des vidéos très courtes, d'accord? C'est du tac au tac. Bang! 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 Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, on parlera sûrement de ce que je vais faire plus tard. Plus tard, c'est-à-dire après ce projet, ce lamentable échec qui me fait totalement souffrir actuellement. Je meurs. Ouais, Red Bull! Et alors? Très mauvais pour la santé, ça encore. Donne des ailes? Non, ça donne pas d'ailes, ça. Non, ça donne du cholestérol, du diabète, tout en même temps. Des palpitations, des arrêts cardiaques, tous les problèmes, ils sont là-dedans. Le cancer... Non, je te jure. Ils ont découvert il y a pas longtemps que le cancer, c'était que les gens qui buvaient du Red Bull, du Coca, etc. Non, vraiment. Hein. Ah oui. Je rigole, c'est des conneries. Ouais, j'arrête d'être là avec vous parce que voilà, je suis dans votre écran et c'est peut-être un peu chiant. Donc, hasta la vista, on se capte pour une prochaine vidéo et des petits bisous, comme d'habitude. Hasta la vista! Ça va pas fort, hein. Par ici, ça va pas fort.